Om bor buvas va tat savitor va par gode vasja di mahii tiyo yonna praha bonjour Je m'appelle Laure Stélin, je suis flûtiste, artiste polymorphe et accompagnante en son de guérison. Lorsque j'avais 5 ans, je voulais jouer de la flûte traversière et je m'amusais devant le miroir à imiter la noblesse de la posture du flûtiste. Et puis je chantais aussi, j'inventais des chansons et j'aimais créer un langage une... imaginaire. Mes parents, sensibles à mon attirance pour la musique, m'ont inscrite à des cours de flûte traversière. Et au conservatoire, j'ai appris à progresser dans la technique de l'instrument et à apprendre un répertoire de plus en plus virtuose. À 17 ans, attirée par le soin et la guérison, je voulais devenir médecin. Le conseiller d'orientation m'a dit que si je me dirigeais vers des études aussi exigeantes, je devrais sans doute arrêter la musique, ce qui m'était impossible. J'ai donc choisi la musique. À 18 ans, lors d'un cours de flûte, après avoir attentivement écouté mes arpèges, ma professeure m'a dit Mais toi, en fait, ce qui t'intéresse, c'est le son, hein, c'est pas la flûte. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'elle avait voulu dire. Mais en fait, elle avait raison. Parce qu'au lieu d'enchaîner les notes à toute vitesse, comme le faisaient la plupart des flûtistes étudiants, je jouais de longues notes tenues pour me laisser bercer par leur résonance. Et il y avait là, au cœur de ma jeunesse, le germe d'une pratique dont j'ignorais tout, mais qui allait par la suite changer le cours de mon existence. C'est bien des années après que j'ai compris ce que j'avais toujours cherché dans le sang, dans le son, la sensation physique de la vibration à l'intérieur et autour du corps. À 33 ans, j'ai eu un cancer. Contrainte d'interrompre ma carrière de concertiste, j'ai continué à me nourrir de musique et de sons. Mais cette fois en jouant pour moi-même, en m'offrant ce que j'ai appelé des bains sonores. C'est-à-dire que je m'immergeais dans les sons que je jouais pour moi-même sur mes différents instruments, mes flûtes, mes tambours, mes bols tibétains et le chant. Ma pratique était devenue intime, confidentielle, mais aussi puissante et guérisseuse. Car malgré la difficulté de l'épreuve que je traversais, je contactais dans ces moments une sensation de plénitude. Et je pouvais m'appuyer sur une confiance en la vie et même de la joie. J'avais ouvert la porte d'un monde sensationnel, celui des sons de guérison. Alors, comment ça fonctionne De quoi s'agit-il On appelle sons de guérison toutes les pratiques qui font usage du son au service du bien-être. Il s'agit d'équilibrer, d'harmoniser le corps, le cœur et l'esprit. On parle de santé holistique qui considère l'être dans sa globalité et non plus le corps physique isolé du reste. Alors, comment cela fonctionne-t-il Eh bien, on s'appuie sur l'impact que le son a sur le corps physique. Lorsque la vibration sonore touche nos cellules, notre, notre physiologie peut être modifiée. Alors des études ont étudié ce phénomène et on peut notamment citer les bienfaits des sons qui sont la réduction de l'anxiété, l'équilibre du rythme cardiaque, l'équilibrage de la pression artérielle, le renforcement des réponses immunitaires et aussi l'augmentation de la production d'endorphines. Les bienfaits des sons sont également appuyer sur l'impact du son, sur notre état émotionnel et psychique. Je suis sûre que vous avez tous, au moins une fois, choisi une musique avec soin pour accompagner un moment important de votre vie, de votre existence, que ce soit un moment dans la vie privée, mais que ce soit un événement, une cérémonie, un rituel, une fête. Et ceci n'est pas anodin, parce que lorsque l'on fait cela, on se sert, on fait usage des bienfaits des sons afin d'induire une atmosphère que l'on souhaite. Je me suis donc formée à cette discipline qu'on appelle son de guérison et j'ai fait le lien à ce moment-là entre mon goût pour la musique et mon goût pour le soin. Et c'est lors de cette formation que j'ai découvert le yoga du son. Le yoga du son est une pratique qui allie la respiration, la voix et l'intention. On entonne, on chante des sons clés et aussi des chants sacrés de traditions anciennes, de Chine, du Japon, d'Inde et du Tibet. Et dans cette pratique, on ne cherche pas un résultat esthétique. Et lorsque l'on chante, on n'attend pas un résultat esthétique, mais on se met à l'écoute, à l'écoute de soi et à l'écoute de l'être qu'on accorde comme on accorderait un instrument. Alors le mieux... Pour Savoir si l'eau est bonne, c'est de s'y plonger. C'est pour ça que je vous propose un court exercice pratique. Nous allons muser le son, c'est-à-dire produire le son comme le bourdonnement des abeilles. Mâchoire inférieure détendue, lèvres un petit peu en avant des dents. Alors on peut fermer les yeux pour mieux ressentir, hein, puisqu'on va. On va ressentir les vibrations à l'intérieur et on va le faire ensemble. Et puis nous allons faire la même chose, une main sur la poitrine pour sentir dans la paume la vibration. Et puis encore une fois, et on va mettre une main sur la poitrine et l'autre sur le front pour sentir dans nos deux paumes ce qui se passe. Mmh. Et pour terminer, nous allons faire la même posture, mais nous allons ouvrir. Nous allons faire. On laisse la bouche ouvrir et naturellement le A va sortir, très détendu. Et on va garder nos paumes sur la poitrine et sur le front pour sentir la vibration dans ces deux endroits. No. Uh... Avez-vous senti dans vos mains que la vibration se déplace Et peut-être avez-vous déjà constaté un changement dans votre état psychologique, mental, physique, dans vos ressentis durant ces quelques secondes Alors, figurez-vous que la première fois qu'on m'a proposé cet exercice, il m'a été impossible de sortir un son bouche fermée. J'avais pourtant pris des cours de chant au conservatoire, je faisais du chant choral. M'user le son m'était impossible. Imaginez-vous le désarroi, mais aussi la leçon d'humilité. Alors je suis allée voir ma formatrice. Elle m'a dit, tu pratiques chaque jour, tu t'assieds sur ton tabouret de méditation et tu pratiques. Ce que j'ai fait, tous les jours. Il m'a fallu six mois, pour parvenir à muser le son. Je pouvais pratiquer les autres euh, parties de, ce, de yoga du son, hein, les, les voyelles, les chants sacrés, mais pas muser. Alors, que s'est-il passé Eh bien, sans doute qu'une partie de moi s'était détachée d'une autre partie, que le lien à moi-même s'était rompu avec certains, à certains endroits. suite à la rudesse des épreuves, c'est comme si quelque chose s'était rompu à l'intérieur. Et avec le yoga du son, j'ai retissé ce lien à moi-même, aux différentes parties, aux parties blessées, recréé une unité intérieure. Par ce travail de la voix, V O I X, j'ai retrouvé ma voix V O I E avec une unité et j'ai pu discerner et réaliser quelle était ma vocation. Vocation qui est de transmettre les bienfaits des sons sous toutes leurs formes. C'est pourquoi j'ai fondé l'espace vibration au sein duquel je réunis l'artistique et le thérapeutique. Je mets l'art musical au service du bien-être. À l'espace vibration, je donne des concerts holistiques hein, qui, sont des so qui sont des soins vibratoires allongés pour le public qui est allongé, qui reçoit le son. Je donne des séances individuelles de yoga du son, des séances de massage sonore et également j'organise des cercles de voix, des stages et des formations. Et cette ouverture de la voix V-O-I-E, m'a permis de libérer la créativité. C'est pourquoi je compose de la musique holistique, également des chansons et des poèmes. Cela fait maintenant sept ans que je pratique de cette manière. Et au cours de ces sept années, j'ai eu l'occasion de vivre de nombreuses expériences et de rencontrer des personnes qui m'ont particulièrement touchée. Comme cette femme qui avait perdu son enfant et pour qui muser le son était la seule manière de surmonter la souffrance du deuil. Ou encore ce comédien qui était venu me voir parce qu'il avait envie de d'élargir les possibilités vocales pour faire du doublage pour la télévision et le cinéma. Ou bien cet élève qui a pu appliquer mes transmissions avec ses étudiants interprètes à l'université. Alors le yoga du son n'est pas simplement applicable uniquement pour la voix, mais on peut aussi l'appliquer dans d'autres types d'apprentissage. J'utilise notamment une méthode pour enseigner la flûte traversière, qui favorise le centrage et la concentration, mais également le développement de la résonance et du souffle pour l'instrument. Si le yoga du son permet d'accompagner l'être sur son chemin de vie, il permet également de créer du lien au sein d'un groupe de personnes. Et c'est ce qui s'est passé pendant mon hospitalisation. J'étais dans une situation préoccupante, anxiogène, difficile, lourde. Et mes amis, pour me soutenir, sont venus entonner des chants sacrés dans ma chambre. Dans cette chambre d'hôpital, tout à coup, le son a résonné. Et ça a été un moment hors du temps, magique. Des patients sont arrivés, des infirmiers, des médecins qui étaient à l'étage. Et à ce moment-là, par le chant, nous étions en cercle et le, les barrières entre les soignants et les patients se sont effacées. Nous étions simplement des hommes et des femmes en lien par la vibra vibration sonore. Il y avait de la joie, de la convivialité, une communion. Le lendemain, l'infirmier qui coordonnait mes soins est venu me voir. Pour me parler, il m'a dit, tu sais, Laure, je sais ce qui s'est passé hier ici. Tu ne refais jamais ça sans moi. Alors, pour conclure cette présentation, je vais vous raconter une histoire de Nasreddin Hodja. Nasreddin Noja est un personnage facétieux dont la sagesse s'appuie sur l'art du paradoxe. Nasreddin Oja s'était offert un oud, magnifique lutte orientale. Confortablement installé sur des coussins, il pinçait inlassablement la même corde, jouant inlassablement la même note répétitive jour et nuit. Son épouse, quelque peu agacée d'entendre toujours la même note se répéter, vient le voir et lui dit « Mais enfin, Nasreddin, pourquoi ne changes-tu pas ?» Nasreddin dit « Mais pourquoi changerais-je » Eh bien, parce que ça se fait comme ça, les musiciens changent, ils jouent des tas de cordes, des chats de notes, des tas de musiques, des styles différents. Ça se fait comme ça. Et Nasreddin, avec un petit sourire, répond, eh bien oui, ma chère épouse, les autres, ils changent de note, parce qu'ils cherchent encore leur note, mais moi, j'ai trouvé ma note. Et vous, avez-vous trouvé votre voix